1990, premier rapport du GIEC. 2023, première année européenne des compétences au service de la transition écologique. En 2023, en France, les syndicats étudiants attendent encore que le développement durable soit une matière obligatoire dans l'ensemble des formations. Cherchez l'erreur. Certains dénoncent une transition brutale. Je dénonce ici 33 ans d'inaction cachée derrière le mythe de la rentabilité et de la croissance. Alors que 14% des jeunes sont sans emploi ni formation et que seulement 23% des employés du service de l'énergie sont des femmes, nous, écologistes, proposons une transition solidaire et inclusive. Une transition qui accompagne les projets des formations innovantes des Bac plus 4, comme le retour à l'emploi des laissés pour compte. Une transition qui revalorise l'apprentissage à l'heure où, en France, on s'apprête à sacrifier les lycées professionnels. Pour que la transition en Europe soit enfin au rendez-vous, monsieur le commissaire, ne cherchez plus, écoutez enfin les écologistes.